Les plop à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Ghost, pour changer un peu. Et pour une petite partie simple en fait. En ce moment je joue quand même ME, parce qu'il n'y a que là que ça nous a envie de jouer. Honnêtement la domination j'ai carrément laissé tomber vu le nombre de personnes qui jouent l'objectif. Entre la camp et l'objectif c'est même pas la peine. Et limite je trouve que c'est en MME que ça bouge le plus. Enfin, bref. Donc je fais cette vidéo en fait c'est uniquement, enfin uniquement non, pas forcément uniquement, mais surtout parce que je voulais en fait parler d'une petite chose, ce qui m'a quand même relativement surpris, même si on est au courant depuis un petit moment maintenant, c'est l'espèce de politique de YouTube. Alors je vais pas vous refaire la même vidéo que tout le monde en râlant, en disant que oui c'est pas normal, si et là, même si je vous dirais, enfin je vous poserai mon point de vue au niveau pour et contre. Mais surtout, je vais pas tomber dans le « c'est pas normal, ils nous suppriment notre rémunération, etc. » A savoir que moi, mon niveau, vu le peu d'abonnés et le peu de vues que je fais, je n'ai aucune rémunération. Donc ça me touche assez peu de ce côté-là. Sachant que à partir du moment où ils coupent la rémunération, à partir du moment où vous avez un ayant droit, c'est-à-dire tout ce qui est, grosso modo, si vous avez de la musique, enfin tout ce qui peut appartenir à quelqu'un, enfin quelqu'un, du moins une société, muet tous. Pas muet tous. Ou je l'ai loupé. Donc tout ce qui est en droit, etc. Donc qui appartient à quelqu'un, vous faites une musique et la reprise, c'est normal, vous touchez quelque chose, si elle est utilisée, si la vidéo fait de l'argent. Tout à fait normal. C'est comme si vous, vous faisiez des vidéos, vous touchez de l'argent dessus, quelqu'un reprenait le temps de la vidéo, la potait sur sa chaîne et faisait de l'argent avec. Vous ne trouverez pas ça normal. Ce qui est quand même relativement logique. Donc c'est normal que enfin les éditeurs, tout ça, la musique, même si là on touche quand même des gros domaines, hein, c'est pas le petit artiste indépendant qui va râler, c'est plutôt le les gros éditeurs qui font des milliards, mais bon ça ça reste quand même. Enfin c'est subjectif, chacun son point de vue, il y en a qui disent c'est pas normal, que c'est normal. Chacun a. Hop là voyons. Il y a du mal lui. Chacun aura son avis là-dessus. Il est caché le saligo. Donc voilà, donc chacun rend son avis dessus. Par, donc qui coupe la rémunération ou qui la divise en deux ou en trois par exemple en fonction du temps de l'utilisation d'un ayant droit. Voilà, merci. Du temps utilisé pour un ayant droit ou enfin qui fasse un barème ou qui coupe la rémunération pour verser l'argent à la personne. Enfin, après, ça, chacun sa sauce, enfin, ça s'arrange chacun, et qui trouve un juste milieu, pourquoi pas. Même qui coupe carrément la monétisation, tant pis, moi personnellement je m'en fiche, hein, vu que je touche rien. Mais les personnes qui sont gavées là-dessus, je pense qu'elles ont elles en ont énormément profité. Les personnes qui ont su tirer leur épingle du jeu à l'époque, maintenant elles ont beaucoup d'autres projets, hein, tout ce qui est soit podcaster, soit. Joueurs, etc. Tous les gens qui ont gagné de l'argent dessus maintenant font beaucoup plus d'autres choses. C'était un tremplin, ils ont, même si ça leur a servi de revenus réguliers au début. Grosso modo, maintenant ils sont partis carrément sur autre chose. Ils font de la télé, ils font des trucs, ils font des machins. Donc ils ont trouvé d'autres moyens de rémunération. Bon, c'est pas plus mal, hein, ça permet de se renouveler aussi. Hop, je vais lui faire peur. Wow. Donc voilà, donc après c'est. Ils ont réussi à trouver une solution, donc bon qu'ils prennent. Enfin, je trouve pas ça franchement utile qu'ils viennent se plaindre, enfin viennent pleurer en disant on a plus d'argent. Alors qu'au final ils disent ça faire par passion, mais dès qu'on touche à leur argent, il n'y a plus personne. En même temps il est aussi normal qu'ils soient rémunérés, enfin qu'ils gagnent de l'argent grâce à ça. Sachant que l'argent vient de nulle part, hein, c'est uniquement la pub. Ils sont payés uniquement par les petites pubs qui apparaissent sur l'écran qu'on bloque tous avec Adlock. Et du coup, les personnes qui veulent faire de la pub payent YouTube pour passer sur le bordel, et finalement ils sont payés par les gens de la pub. Et leur argent ne manque pas. Donc au final c'est pas bien grave dans un sens, étant donné que nous, l'argent ne sort pas de notre poche, donc on a rien à foutre qui soit payé. Au final c'est tout ce qui est pub et compagnie. Donc c'est pas trop grave, c'est pas de l'argent qui va manquer quoi. Mais par contre, ils commencent pas à pleurer dans tous les sens en disant on a plus d'argent, alors qu'au départ, ils étaient censés faire ça par passion.
c'est un autre débat. Communication satellite. Donc ils coupent l'argent, etc. Pourquoi pas, hein. Mais ce système de monétisation, de couper l'argent et tout, ce que je trouve dégueulasse par contre, hein, j'ai eu du bol parce que tu regardais pas devant lui, ou du moins trop devant lui, pas sur les côtés, c'est que ce système il applique qu'aux gros youtubeurs qui font de l'argent. Il supprime, parce que, enfin, ce qui arrive à quasiment tout le monde, mais un certain nombre de personnes, c'est qu'ils suppriment carrément la vidéo, ou la rendent illisible. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé. Et ça, c'est, enfin, je trouve ça pas forcément normal parce que, ok, tu utilises une musique, un truc et tout, mais d'une, déjà, c'est pas forcément ta faute. Enfin, moi, je prends mon exemple tout bête, c'est dans ma dernière vidéo sur GTA, je mets la radio et je tombe sur Radio Los Santos qui passe du ASAP. ASAP Rocky, ok. Mais moi j'y peux rien, je veux dire, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le jeu qui est comme ça. Le jeu je l'ai payé, hein, relativement cher pour ce que c'est quand même, faut oublier que bon, on paye nos jeux quand même. On paye nos jeux et que dès qu'il y a un. Ça les. Le double triangle là-dessus c'est quand même une vraie merde, hein, je peux dire, mais. On paye nos jeux quand même relativement assez cher et dès qu'on se filme avec pour faire un petit duo sympa pour plaire aux gens. On se fait enguirlander parce qu'on utilise du contenu ayant droit. D'accord, mais le droit on l'a payé. Hier, ASAP Rocky, il a eu un pourcentage de vente du jeu pour que ses musiques passent dans le truc. C'est comme à la radio, je dis, hein. C'est comme une vraie radio. Il paye les. Il paye pour avoir accès aux musiques. On est en fait. Oh le con. Je pensais que c'était un allié qui est dedans. Donc par conséquent. Il n'est pas normal qu'en payant un truc, en plus on se fasse supprimer nos vidéos. Qui me bloque la monétisation, comme je dis, moi personnellement je m'en fous. Mais, parce que je n'aime pas l'argent avec, mais qui ne bloque pas la vidéo carrément, enfin qui la rende pas illisible ou qui la supprime pas quoi. C'est stupide, à quoi ça sert? Les gens vont pas arrêter de regarder parce qu'il y a un truc d'ayant droit. Et au contraire, ça fait la pub à tout le monde. S'il faut, vous connaissez pas l'artiste. Vous regardez la vidéo, et bam, déjà c'est sympa, c'est quoi? Vous cherchez un peu, vous trouvez, finalement, dans un monde de bisounours, vous achetez l'album. Le mec a un album vendu en plus. C'est tout bénef. Donc, où est le problème? Pourquoi supprimer une vidéo qui a un contenu? Alors, qui s'arrange avec leur histoire de gros sous? Parce que forcément, dès que ça fait de l'argent, ben voilà. Et merde, right. Mais j'ai vu que j'avais un colis, hein, mais j'ai strictement aucune idée. Je vais le lancer, il y a des œillets partout. Enfin, tout pour les gens qui campent en haut, bizarrement. D'ailleurs, ils campent en bas. Je vais le lancer là, tiens, hop. Je suis relativement à couvert. Je crois que c'est une tête. Mais je comprends pas. Si oui, c'est rose et tout, si vous trouvez les couleurs un peu bizarres, hein, c'est normal, c'est que. Ah, ça c'est bien ça. Il faut juste se cacher parce qu'en général on prend la gueule. D'accord. Donc ouais. Donc du coup oui bah oui mais que enfin je comprends pas le but en fait. Non, en fait j'ai en train d'expliquer pourquoi oui c'est rose et tout, c'est parce que je joue avec les couleurs d'écran spécial, la spéciale latonien. Je sais pas où moi, je trouve qu'on y voit un peu mieux. Il y a un joueur qui avait donné cette astuce et puis finalement je le trouve pas si mal que ça. Voilà bref. Donc du coup pour finir, enfin pour continuer je veux dire sur la lancée. Je vois pas l'intérêt en fait de censurer sur une chose dont on n'a pas forcément la maîtrise. Alors oui, dans toutes nos vidéos, enfin souvent on met des gameplays en musique par exemple. Donc à ce moment-là, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est nous qui le faisons, on prend le truc, et à ce moment-là, il faudrait qu'il est quand même relativement difficile de prouver, quasiment impossible même parce que c'est pas le cas, de dire que oui bah, on a acheté le CD, puis on a pris la musique, on l'a tué, donc du coup on a le droit. C'est quasiment impossible parce que déjà. Toutes nos musiques sont en MP3 et les CD bah, sont pas du tout encodés en MP3. Donc à partir du moment où c'est MP3, ça vient pas d'un CD. J'en connais peu qui se feraient chier à prendre une musique d'un CD, l'encoder en MP3 pour ensuite la développer. Qu'est-ce qu'il fait derrière moi lui? Je ne sais pas. Oh putain, le truc il se colle au mauvais endroit, mais ça à chaque fois quoi. Oh, tu vas où toi? Non, sérieux là? Non, j'ai plus de balles! Ah ouais! Bid! Donc voilà, donc, enfin. Du coup, fortement, oui, c'est sûr que c'est un MP3, il y a 95% de chances que ce soit un CD
Un CD ou une musique piratée, quoi, enfin téléchargée je ne sais où, illégalement donc. Mais à ce moment-là, enfin, c'est de la présomption d'innocence, ils sont pas censés savoir ça. Comment ils peuvent savoir que c'est pas à nous? À moins qu'on apporte la preuve. Puis c'est pareil, tous les gens tombent des nues en disant bah oui mais tiens, YouTube commence à censurer et compagnie. Mais enfin, moi je fais des vidéos depuis pas super longtemps, hein, ça fait moins d'un an. Mais ça fait quand même un petit moment déjà que dès qu'on met une vidéo sur YouTube avec un contenu ayant droit, donc c'était pas tout ce qui est une vidéo, tout ce qui est jeu et tout, pas du tout, mais tout ce qui est musique, depuis leur problème avec l'instance internationale de la musique, qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur les rémunérations des vidéos à but, enfin, pas monétisées, qui diffusaient de la musique, etc. Mais, enfin, ça fait déjà un petit moment qu'à chaque fois qu'on met une vidéo avec de la musique dedans, qu'ils vous disent, bah tiens, voilà, telle musique est dans cette truc, vous reconnaissez que telle musique est utilisée pour votre vidéo, et à ce moment-là, ils vous bloquent soit dans certains pays, c'est le. Parce que bon, je sais pas pourquoi. J'imagine qu'il y a certains artistes qui sont pas tolérés dans certains pays, hein. Il y a certains pays qui sont à moitié dictatorial, hein. J'ai regardé la Chine et tout, ils ont même pas accès à YouTube, limite. Du moins, une certaine partie, je vais y arriver. Donc bon, pourquoi pas. Mais du moins, ils vous demandaient, et à ce moment-là, ils vous bloquaient. À ce moment-là, ils vous bloquaient la monétisation, bien sûr, ils vous bloquaient pas. La vidéo en entier. Donc voilà, donc bon, vous étiez prévenu, vous utilisez une musique dont vous n'avez pas les droits. Pourquoi, on sait pas. Parce qu'on n'aurait même plus acheté le CD, mais bon, ça reste encore discutable. Mais voilà. Ouais. Sauf que maintenant, dès que vous posez une vidéo et qu'il reconnaît un truc, enfin, déjà il l'analyse. Et l'analyse peut dire très très longtemps, parce que j'ai des vidéos, que ça fait plus de 2 mois, 3 mois qu'elles sont postées, ils sont toujours en analyse. Donc bon, je sais pas trop ce qu'ils foutent avec, mais ma foi, c'est comme ça. Ils analysent vos centaines de vidéos, et puis ils vous disent, attendez, hop hop hop, là, vous avez utilisé un truc. Donc il faut que vous nous prouviez que vous aviez un endroit. Ils vous envoient un mail avec un truc et tout, et vous allez sur YouTube, que vous cliquez sur la vidéo, enfin sur le petit lien qu'ils vous donnent, et il faut que vous leur expliquiez pourquoi, enfin pas pourquoi, mais si vous avez le droit d'utiliser la vidéo ou pas. J'ai beau essayer, hein, j'ai beau leur dire que oui, je capture avec un Elgato que j'ai acheté, le jeu, je l'ai acheté, la console, je l'ai acheté, l'ordinateur avec lequel et les jeux CLI qui j'utilise, j'ai tout acheté, ce qui est vrai en plus, hein, j'utilise iMovie que j'ai acheté, j'utilise mon PC que j'ai acheté, etc. Donc, en principe, j'ai tout. Alors, l'ordinateur est à moi, il m'appartient, il est à mon nom, le logiciel, je l'ai payé, il est à mon nom. Tout est à mon nom. Donc, à ce moment-là, il serait normal que quand je capture par exemple ce gameplay, et bien tout simplement que bah, qu'il soit mien, et à ce moment-là, même si le jeu appartient à Activision, enfin c'est pas. Après c'est du droit, hein, c'est du légal, donc je connais pas trop, enfin c'est pas mon rayon, hein, je suis pas avocat, je fais pas de droit. Mais il y a quand même un moment où on peut se dire. Merde, je crois que j'avais un détecteur. Il y a quand même un moment où on peut se dire. J'ai tout acheté, il est quand même normal, et assez cher, hein, relativement, donc il est normal que j'en possède le droit d'utiliser à ma manière. Alors après qu'ils disent, bah oui, mais bon, vous pouvez pas faire d'argent avec, parce que l'argent revient entièrement à Activision, par exemple, si on prend un gameplay Call of Duty. Là après, c'est une question de morale. Activision s'en met plein les fouilles, est-ce qu'ils ont vraiment besoin des 30 centimes que YouTube va leur donner toutes les 1000 vues? Ou je sais pas combien. Je ne crois pas, hein, je pense qu'ils pourront s'en disposer. D'accord, non, toi t'es ma cible. Ah oui, fusil à pompe, ok, bon, je respecte. Enfin, je pense pas qu'il soit vraiment à plaindre, et bon, après, bon, c'est sûr qu'après, si on compte tous les gros youtubeurs qui gagnent des millions, enfin pas des millions, mais c'est peut-être pas exagéré, mais qui gagnent en tout cas des milliers d'euros par mois, parce que bon, pour vivre de ces vidéos, faut quand même gagner minimum le SMIC, hein, surtout ceux qui habitent à Paris et compagnie, quand on met 1000 euros quasiment, rien que dans son loyer, bon, s'ils se vendent d'en vivre, c'est quand même qu'il gagne quand même une certaine somme. Ah, toi t'es mort. Ah merde. Je tourne en rond. Non, on peut pas aller là. Alors toi t'es à moitié con toi. Tu m'as pas vu toi. D'accord, non. Ah. J'ai regardé tout le monde sauf le bon quoi. Hop. Pas au million, on s'en fout, de toute façon, ça marche jamais ce machin. Ouais, donc du coup, enfin je vois pas trop bien l'objectif de YouTube à part se débarrasser de toutes les personnes qui apprécient faire des vidéos. Ils ont détruit votre liaison satellite.
Et pas uniquement faire des vidéos pour être connu ou pour être célèbre, quoi, comme ça. Pour le fun, parce que c'est rigolo. De les dégoûter en supprimant bêtement leurs vidéos uniquement parce qu'ils utilisent un contenu qui leur appartient, dont ils ont payé la licence, mais qui ne sont pas maîtres. Parce que je suis pas maître de ce qui se passe là. C'est pareil, ça arrive dans tous mes épisodes solo de Call of Duty Ghost, hein, tous les épisodes solo, il y a toujours de la musique. C'est dans le jeu, les cinématiques, il y a de la musique, etc. Mais c'est des musiques qui sont forcément utilisées ailleurs. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a composé, donc il y a forcément un ayant droit, il y a forcément une licence. Mais je la maîtrise pas, moi, ce licence, je vais pas à chaque fois dire « Attendez, taisez-vous, chut, coupez le son, parce que, voilà, il y a quelque chose qui se passe. » J'y peux rien. La personne est rémunérée à hauteur du jeu, hein, un pourcentage, je sais pas moi, si ils sont arrangés avec Activision, pour tout jeu vendu, il y a 3 centimes qui revient à l'auteur de la musique qui passe dans la première cinématique, par exemple. Donc, l'auteur est rémunéré par Activision en fonction du nombre de jeux vendus. Donc, quand j'ai acheté mon jeu à 70 balles, hein, bon, même si j'ai pas payé ce prix-là, parce que je suis allé chez Micromania et j'ai vu, enfin, j'ai revendu les jeux, j'ai fait ma sauce. Donc, j'ai pas pris ce prix-là, mais grosso modo, c'est comme si j'avais payé les 70 euros. J'étais sourd et aveugle. Hop, là, je l'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il foutait, je l'ai pas vu. Bref, quand j'ai payé les 70 euros le jeu, comme 95% des personnes qui l'ont acheté, même si on pourrait dire que 20%, parce qu'avec Amazon X-Star ça coûte moins cher, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Quand vous payez vos 70 euros de jeu, les 3 centimes qui seront reversés au mec qui a fait la musique de la première cinématique, ils sont inclus dans le jeu. Donc je les ai payés. Donc les droits, je les ai payés. Donc quand je fais une vidéo avec cette musique, il n'y a pas besoin en plus encore de rajouter de l'argent ou de supprimer la vidéo parce que le mec a pas été rémunéré sur cette vidéo. Je l'ai acheté le jeu, donc je peux la passer 150 fois, c'est à moi, il m'appartient au final. C'est mon jeu, j'en fais ce que je veux, je le prends, je le crave, je le mets dans le CD, j'y joue pas, je le revends, c'est ma sauce. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là lui? Donc, qui bloque la monétisation parce qu'ils disent non, vous pouvez pas vous faire de l'argent sur un produit que vous pouvez utiliser mais pas monnayer. Parce que c'est vrai qu'au final on peut l'utiliser, comme je l'ai dit, je peux en faire ce que je veux, je le prends, je le coupe en deux, je le joue avec, enfin je fais ce que je veux, c'est à moi. Par contre je peux pas le monnayer, parce qu'il m'appartient certes, mais pour une comme il est marqué dans les DVD que vous achetez, quand vous achetez, enfin les DVD que vous achetez, etc., ça vous appartient, mais dans un cercle familial et privé, pas public. Donc il refuse la monnaie, la monétisation d'une vidéo avec du contenu qui vous appartient entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est délicat, parce que certes ça vous appartient, mais en même temps vous pouvez pas en faire ce que vous voulez, mais vous pouvez pas vous faire de l'argent sur quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre, mais vous quand même l'utilisez à votre guise. Alors si j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'utiliser. Mais par contre, il est normal que je ne puisse pas en tirer profit, puisque ça, au final, c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai pas gagné de l'argent sur quelque chose qui m'appartient pas. Enfin, qui m'appartient pas. Que je n'ai pas créé. Ça, c'est plus ça le vrai terme. Comme je dis, c'est comme si vous faisiez une vidéo, que vous faisiez pas trop de vues avec parce que vous n'êtes pas trop connu, puis il y a un grand youtubeur qui reprend la même vidéo que vous. Enfin, il reprend votre vidéo, la vôtre, votre commentaire, votre gameplay et tout. Et puis la vidéo fait des millions de vues et il gagne des milliers d'euros dessus. Il dit bah attends, c'est pas normal, c'est ma vidéo, c'est moi qui l'ai créée, mais c'est lui qui la poste et c'est lui qui gagne de l'argent dessus. Ce serait du plagiat, ce serait du vol. Là c'est un peu pareil. Vous postez une vidéo avec de la musique dessus qui ne vous appartient pas. La musique, hein, pas le jeu. Et faire de l'argent dessus alors que c'est l'artiste qui a créé la vidéo et qui ne touchera pas un copec de ce que vous gagnez vous sur sa vidéo. Ça peut créer problème. Ok. À ce moment-là, comme il dit, on coupe la monétisation et puis basta, on n'en parle plus. Et pourquoi bloquer carrément la vidéo en elle-même? Enfin, ça je comprends pas, quoi. Ça, pour moi, c'est la faille du jeu. Je vois pas comment on peut arbitrairement dire on censure parce que vous êtes... Puis comme je dis encore, sur un montage, vous mettez votre vidéo, tout ça. Je savais absolument pas où il était. Votre vidéo, etc. Enfin, c'est vous qui décidez de mettre un contenu non libre de droit. Alors que sur une vidéo où il y a de la musique dans le jeu, vous n'êtes pas libre, vous pouvez pas choisir.
vous avez pas coupé le son du jeu pendant 10 minutes. Attendez, mais c'est une musique, vite je coupe le son du jeu. Je censure limite quasiment quoi, c'est presque ça. C'est stupide. Pas d'accord ? Voilà. Donc je m'arrêtais là, je pense avoir tout dit. Je pense, enfin voilà, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, si vous comprenez ou pas. Si votre point de vue est le même ou pas du tout, hein. De toute façon les commentaires sont là pour débattre bien sûr. Donc sur ce, bah écoutez, j'espère que ça s'arrangera dans les semaines, les mois qui viennent, les jours qui viennent, on le souhaite, parce que ça, je trouve ça très très dommage de voir re-upload les vidéos comme là, sur la vidéo GTA, j'ai dû couper le son. C'est-à-dire que YouTube m'a proposé de couper le son, donc j'ai coupé, donc apparemment, alléluia, ça a coupé juste la musique. Ça n'a pas coupé le son du jeu ni ma voix derrière, donc bon, c'est déjà pas mal. Je m'attendais à un gros blanc bien crade en plein milieu de la truc qui dégueulasserait complètement la vidéo. Ce n'est pas le cas, heureusement. Mais en tout cas, j'espère que ça évoluera et que qui coupe la modification tant qu'ils veulent, je m'en fous. Et par contre, donc qui coupe pas les vidéos, genre, c'est stupide, ça dégoûtera tout le monde. Donc là, je suis en train aussi de voir pour migrer vers d'autres plateformes, donc faire un temps sur YouTube et sur Vimeo par exemple. Dailymotion, ça m'attire pas des masses, parce que j'imagine que Dailymotion, ça va finir comme YouTube, hein, où d'un moment, si tout le monde migre dessus, bah, dès qu'il y aura du gros sous, bah, pouf, Dailymotion va dire, attendez, hop, 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 moi je vais récupérer de l'argent. Tous les éditeurs et tout vont dire, oh là, vous commencez à devenir un peu gros, trop gros pour nous, vous faites trop d'argent tout seul, il nous faut notre part du gâteau, et donc du coup, au final, ça déplacerait le problème, et ça reviendrait, et encore plus vite que maintenant, parce que sur YouTube, ça a mis du temps, parce que voilà, YouTube, c'est une grosse chaîne, c'est américain, tout ça, donc ça met un peu du temps, mais Dailymotion, il y a quand même structure un poil plus petite, peut-être avec moins de moyens, et donc du coup vu qu'ils sont déjà alarmés maintenant qu'ils sont prêts à dégainer directement les ayants droit et compagnie, je pense que tout ce qui est éditeur, tout ce qui est gros majeur et compagnie vont dégainer deux fois plus vite la prochaine fois qu'il se passera une chose dans le truc. Vimeo est un peu plus libre, hein, il se passe même il y a beaucoup de débordements d'ailleurs dessus, donc ça fait parler, mais pour l'instant il n'y a pas de changement, c'est beaucoup plus libre. Donc du coup, peut-être aller là-dessus, ils sont peut-être moins regardants, du coup on pourra peut-être être un peu plus libre sans forcément non plus aller vers dans l'extrême, mais au moins déjà être un peu plus tranquille et ne pas toujours dire mince, est-ce que YouTube a dû supprimer une vidéo, est-ce qu'il va falloir que je me retape encore 3 jours de upload parce qu'il m'a supprimé ma dernière vidéo qui m'a mis un temps fou à uploader, hein. Je fais des vidéos assez longues donc ça met longtemps, une vidéo d'une heure peut mettre jusqu'à 2 jours de upload complet, donc vous imaginez, moi pendant 2 jours bah, je peux pas jouer, je peux rien faire. Bon du coup voilà, c'est un peu chiant. Donc voilà, de toute façon quoi qu'il arrive, je vous préviendrai si jamais je fais quoi que ce soit. De toute façon, reuploader toutes mes vidéos sur Vimeo, ça prendra beaucoup trop de temps. Puis surtout, il y en a que je n'ai plus. Quand j'avais perdu mon disque dur, j'avais perdu aussi des vidéos. Donc du coup, que j'ai posté et d'autres que je n'avais pas posté. Donc du coup, ouais, ça prendre beaucoup de temps. Voilà, faut que j'ai télécharge de YouTube pour les remettre et tout. Enfin, c'est une catastrophe phénoménale. Donc du coup, je sais pas, peut-être que la prochaine je ferai un double upload, mais pareil, ça prend un temps fou, si je mets 2 jours pour une vidéo d'une heure, enfin voilà, pendant 4 jours je fais quoi, moi, je peux plus jouer, je peux plus rien faire, je peux aller sur internet avec difficulté, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'étudierai la solution, ou je sais pas, enfin, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, ça se passe bien, que vous n'avez pas trop ces soucis. Si vous avez ces soucis et que vous avez trouvé la parade, ou du moins comment ne plus être emmerdé, bah écoutez, faites tourner, hein. C'est toujours utile. Donc sur ce, je vous dis portez-vous bien, faites pas trop de fouiller votre corps, amusez-vous bien, continuez à prendre du plaisir à jouer, à regarder des vidéos aussi, on en profite jusqu'à ce qui est maintenant, jusqu'à ce que aux prochaines censures, ou maintenant ils nous ont genre regardé un tel contenu, pas tel contenu, on va y venir hein, petit à petit. Donc bah écoutez, hein, bonne chance à tous,